Coucou mes petits amis YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans Hearthstone en mode standard et on va essayer de gagner hein, avec ce chaman qui est un petit peu particulier. Pourquoi? Parce que c'est un deck budget, on m'a demandé de faire des decks budget, je vais essayer de vous en faire un ou deux. En tout cas du moins ici ça en sera un. J'ai eu l'idée de ce budget en faisant mon deck Furie des Totems. Et j'ai essayé de l'adapter un petit peu pour qu'il coûte moins cher et voilà, on va bien voir comment ça se passe. A priori, je l'ai prêté, enfin je l'ai prêté, j'ai filé à la decklist à certaines personnes qui m'ont dit qu'ils étaient montés très rapidement en 5 avec. Donc on va voir. Un Murloc Paladin, pourquoi pas. Donc on va jouer le totem langue de feu direct, hein. J'aurais pu le jouer autrement, mais bon. On va essayer de le jouer comme ça. Ok, ça m'embête. Bon, bah, à la chance, hein, j'ai envie de vous dire. À la chance. Et voilà. À moitié de la chance, dirons-nous. Au moins, je lui kill le board. J'arrive à fighter pour le board. Et il n'arrive pas à le reprendre. Surtout si c'est un paladin murloc, généralement. Ça n'a pas forcément beaucoup de zones. Une égalité consacre, parce que c'est paladin, mais. Ça va être dur de le tenir. Ça va être dur de le tenir. Bon, alors, une furie sanguinaire, c'est bien trop tôt pour le moment. C'est bien trop tôt pour le moment. Le problème, c'est que si je fais ça, j'aurai 2 de surcharge. 2 de surcharge au tour 5, ça fait que j'aurai que 3 à jouer. Je crois que j'aurais préféré me laisser la porte pour en avoir 4, mais bon. Je vais être obligé de me. De contrôler, malheureusement. On va jouer à la chance pour voir si j'ai un totem. Ouais, malheureusement, j'ai pas le bon totem. Du coup, bah, on va faire ça. Hein, écoutez, on contrôle de toute façon. Très sensible à une consacre à ce tour-ci. Tac, consacre, je perds 3 créatures. Ah non, tiens. Et il va viser quoi? Ah, il prépare sa consacre à mon avis. Ce qui est un peu con de sa part, quelque part. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Je comprends pas là. Parce que je vais tout soigner au prochain tour de toute façon. D'accord. Bon bah écoutez, au moins comme ça ça aurait été rapide. Ça aurait été rapide. Ok ok. Bon bah écoutez, vous allez sûrement râler que je fais pas d'autres parties avec ce budget de cancer. Mais j'ai un week-end très chargé, il faut que je tourne un maximum de vidéos. Je vous cacherai pas qu'en ce moment j'ai un peu du mal à garder le rythme de 3 vidéos par jour. Donc le budget de cancer, qu'est-ce que c'est? Arme croc-croc, Orion de terre, 2 écureuils d'argent, 2 golems totémiques, 2 jongleurs de flammes, 2 totems langue de feu, 2 esprits farouches, 2 maléfices, 2 tempêtes de foudre, 2 roars totémiques, 2 totems de vagues de mana, 1 défenseur d'Argus, 2 sans visage, nimbé de flamme, 1 furie sanguinaire pour faire gros finish, 2 Drake Azur, 2 choses venues d'en bas et 2 élémentaires de feu. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas d'épique, il y a quelques rares et quelques communes, mais la plupart des cartes, enfin normalement vous les aurez déjà. Dans l'idée, c'est surtout d'essayer d'avoir un gros board pour le tour 5, mature et sanguinaire, et si vous avez à peu près 5 créatures, ça vaudra le coup. Vous allez faire un burst à 15 points de dégâts, plus les points de dégâts que vous aurez mis avant, ça peut faire très très mal. Au pire des cas, si vous avez tour 4, le sans visage nimbé, bon, mettez le sans visage nimbé, et voyez si la furie monte. Si vous avez la furie en main, bah tant pis, c'est pas grave, hein. Vaut mieux mettre une 7-7 et réussir à mettre 7 points de dégâts et attendre un tour pour faire la furie, que ça, vous pouvez même garder la furie pour faire un finish, mais gardez à l'esprit que votre board va pouvoir se faire contrôler très très vite. Au début, il va falloir faire attention à justement gérer au mieux le board. Ça va être ça surtout. Généralement, en mulligan, on va essayer de garder les écuyères d'argent, le totem le golem totémique, pardon. On peut même essayer de garder le jongleur de flammes, parce que ça peut être assez intéressant. Après, en tour 3, on peut essayer de garder un roi totémique, voire un esprit farouche, parce que ça peut toujours être utile, surtout si vous avez la pièce. Après, honnêtement,
C'est du feeling. Ce que je peux vous dire, c'est que bah, contre les decks chamans, il va falloir faire attention, parce que ce sera sûrement des chamans aggro, hein, chamans cancer aggro. Les paladins, la plupart des paladins, c'est des Enzoth, donc il faut que vous alliez très très vite. Faut vraiment que vous jouiez très agressif, quitte à prendre des risques, parce que vous aurez très peu de chances de vous en sortir sinon. Si c'est des paladins heal, c'est encore pire. Actuellement, les guerriers, c'est que des. Enfin, on va dire qu'il y a trois types de guerriers. Il y a le tempo, le Ktoon ou le patron. Normalement, il faut que vous fonciez tête très très vite. Parce que, bon, à part le tempo, qui va pouvoir vraiment vous embêter, normalement, le Ktoon et le patron, vous aurez le temps de le défoncer avant qu'il sorte sa combo. Le druide, la plupart des druides, c'est des Ktoon ramp. Donc, pareil, très très vite, très très vite, très très vite. Et vous gardez une ex pour essayer de passer. Parce qu'à partir du tour 6-7, il va vraiment essayer de vous mettre des gros taunts à tous les tours. Donc voilà, ça va être vraiment très 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 dur. Si vraiment vous dépassez le tour 7-8 et qu'il vous met les empereurs à 7 qui font 2 taunts 4-6, vous risquez vraiment de perdre. Donc à vous de voir si vous arrivez à lui casser la tête ou pas. Après, bah, tout ce qui est rogue, zo, tout ça, c'est un petit peu bah, du 50-50, on va dire. Et enfin, le prêtre, c'est vraiment, ça va dépendre de sa sortie, quoi. Donc, vous avez quand même pas mal de bons match-up. Ça va dépendre de votre sortie aussi. Vous avez quand même une bonne courbe de mana, théoriquement, tour 2-3. Ça devrait passer. Vous avez quand même 4 tours 1 qui peuvent. Enfin, pardon, 2 tours 1. Si vous avez la pièce, vous avez 6 tours 1, donc vous êtes vraiment avantagé si vous avez la pièce. Donc un deck, ma foi, budget, un deck qui peut monter très très vite, comme je le disais, je l'ai fait à la base pour un camarade qui est déjà rang 5. Bon, j'avoue qu'il a bien squatté, hein, mais il me disait que le deck marchait très très bien. C'est un peu comme un chaman cancer, mais voilà quoi, c'est en budget. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye mes petits amis YouTube!